Salut tout le monde, on se retrouve sur Kingdom Come Deliverance. Et je crois que j'ai un 1, 2, 3, 4, Le service est un peu lent à mon goût aujourd'hui. 5. Relançons. Oh, c'est bon ça. Passer. Hop, 1500, 1050 du premier coup. Enfin, au premier tour. Donc, on fait On une va bien partie de voir. dés, ensuite au dodo. Et demain matin, on sera chaud pour le tournoi. C'est ça. Oh, il en a de la chance. Là, je crois qu'il va s'arrêter. Ça fera l'affaire. Je commence à connaître un peu comment il joue dans le jeu. Il y en a peut-être qui jouent moins bien que d'autres, mais. Marqué et passé. Je m'arrête là. Ah bon? Bizarre. T'aurais pu continuer. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Pourquoi c'est si long? 2000. Avoir 3-1, c'est déjà trop génial. Gagner 1000 points, mais alors avoir 4-1, c'est juste abusément fort. Là, je suis à rien du tout de gagner grâce aux 2000 que j'ai eu en un coup. Ah bah, il a eu 1000 aussi. Bah, il prend des risques, hein. Bon, je vais probablement gagner à la partie d'après, donc il a raison de prendre des risques. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ouais, il tente le tout pour le tout parce qu'il sait qu'il va perdre sinon. Diantre! Ouais. Et je crois que j'ai une suite. Alors là, c'est juste une chance monstrueuse que j'ai eue. C'est pas vrai. J'ai fait un carré de 1 et là Sacra, j'en reviens pas. eh bah du coup j'ai gagné des gros chaînes. Alors ma chambre c'est pas là, c'est là. Oh dodo. Bon, allons jusque là. Je sais pas si le combat, le truc va durer 3 jours, histoire qu'on puisse se reposer à chaque fois. Ou alors c'est mais ils vont nous donner une potion pour regagner notre santé ou. Un tournoi a lieu aujourd'hui à Rathay. Vous pouvez vous inscrire ce matin auprès du héros. C'est parti. Ah, j'ai des malus, du coup je suis trop lourd. On peut peut-être poser des trucs dans le coffre. Cheval. Récupérons tout ce qu'il a. Alors la pelle, on va la garder. Inventaire. Voilà, on est déjà beaucoup moins lourd. Les bandages, j'en ai jamais besoin de 10. Défense de Facochère. Les plantes.
Est-ce que je vais devoir... Cheval, 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 cheval. On est bon. On est plus trop lourd malgré les malus. D'ailleurs, c'est des malus qui s'appliquent sur quoi? Force, agilité, vitalité. C'est pour ça que ça m'embête beaucoup. Et éloquence. D'accord. Et j'ai des compétences à attribuer. En épée. On va prendre un combo. Épée courte ou épée longue? Épée longue. Compétence en chasse. Apprendre ramure. Si je tue un cerf, je reste ses ramures. Le terrain est tout décoré. Monsieur le héros. C'est vous? Non, vous êtes un bourgeois, vous. Non, il est là-haut? Bah, où est-il? Il doit être à l'étage du dessous. J'ai aussi une mission rouge. C'est quoi la mission rouge? Annoncer la destruction à Bernard. Ah. Que Dieu vous accompagne. Merci, merci. Prends les trophées J'ai d'abord. quelques trophées. Voyons voir ça. Bah, ce sont des oreilles de Ces bandits. enflures ont eu ce qu'ils méritaient. Oh, cool. De l'argent. Je me suis occupé du campement. Tu en as la preuve? Assurément. Voilà. Ah, voilà une bonne nouvelle. J'ai eu vent d'un autre campement. Apparemment, il se situerait quelque part près du ruisseau en aval de Neuhof. D'accord, je vais aller inspecter les lieux. J'aimerais m'améliorer au maniement de l'épée. Bien sûr. Profitons-en tandis qu'on est là. J'aimerais Apprenti. apprendre les bases. D'accord, mais il vous faudra débourser. Bien sûr. Maintenant, soyez attentifs. Amélioration pour l'épée. Et on va aller voir le héros. Il dort peut-être. Qu'est-ce que vous Héros, voulez? parlez. Allez faire le jack ailleurs. Voilà. Ça alors? Ça alors? Je voulais juste aller voir le héros, je savais pas qu'il était pas encore réveillé. Personne, personne, je suis ressorti. Mettez mon nom sur cette feuille, c'est tout. Crochetage très difficile. Oh mon Dieu, dites-moi qu'ils m'ont pas vu. On dirait pas. Je vais refermer.
Ok, bah j'ai pris quelques coupes. Bon, le héros dort toujours. Objectif accompli. Prendre part au tournoi. On va juste aller poser les coupes. Je pense que mon ami, mon receleur, le meunier, n'a pas encore vendu tout ce que je lui ai donné. Donc on va aller poser nos coupes dans notre coffre qui est ici, c'est plus proche. Et après, on sera prêt pour le combat. J'espère qu'il y aura un coffre où on pourra poser toutes nos affaires. Sans avoir à s'en débarrasser ici et puis après y retourner, enfin voilà, j'espère, on verra. Alors inventaire dans les autres, j'ai plein de trucs qui ont de la valeur. Voilà, oh. Misère. Faut que j'arrête de courir dans les escaliers. Ce sera vraiment le malus que j'aurai le plus souvent utilisé, je pense. Avec celui de dormir. Bon, et celui qui, sur lequel on a faim, mais ça, je m'en rends même pas compte. Ah! Y'a des gens qui se battent? Oh! Regardons un peu un combat. En plus, ils font du bruit. Ah, il y a une épée qui est déjà rouge. Bon, allez, à moi. Je voudrais prendre part au grand tournoi. Très bien. Du moment que vous avez de quoi payer le droit d'entrée. Les règles du seigneur Anouche imposent à chaque participant des frais de 60 groschènes. Très bien. Bien sûr. Tenez. Oh, on peut marchander. Et votre nom? Je m'appelle Henri, de Scalis. Je le note. Et j'ai besoin de savoir quelle arme vous allez utiliser. Une épée longue. Une épée longue. C'est l'arme que je manie le mieux. Bien, allez vous préparer. Vous êtes le prochain. Oh, comme ça tombe bien. Ah, on peut pas bouger pour l'instant. Le premier combattant sera Henri de Scalis, de la suite du seigneur Radzig Kobila. Et le deuxième mesurera son talent à celui de Holda Freyer, homme d'armes de la garnison du seigneur Divige de Talmberg. Très bien. Souhaitons bonne chance à nos combattants. Ouais. Et ce premier combat promet une bonne dose de divertissement. Ouais. Nous allons assister à un duel à l'épée longue. Ouais. Eh, je suis le seul. À mon avis, il est bon, hein. Ah ouais. C'est un garde, quoi. Hop. On va voir si les fins de passe. Ouf.
sûr qu'il allait contre-attaquer. Ah, mais là j'ai contré, à quoi ça sert? Je vais me faire rouler dessus, je pense. Dès le premier combat. Allez, défends, pourquoi il défend pas? Alors quoi? T'as perdu tes. Ah, j'ai contré un sur deux là. Alors essayons notre nouveau combo. Oh, j'avais encore jamais fait ça. Eh, pause, pause. Quoi? Tiens. Y a pas moyen de faire pause. Là j'ai paré, mais bon. Oh, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Je veux vous entendre, public en délire. Aïe. Oh. Il prend un coup et après il contre-attaque. Ah ah. Ça va mal finir pour moi, je vais perdre le premier coup combat. Il va y avoir un deuxième match avec ce gars. Avant de savoir si j'ai perdu définitivement ou pas. Ah, il a tapé d'abord. Voilà. Bon, les feintes ça marche pas beaucoup avec lui. Ah, il a contré. Oh, ça a saigné. Allez, tape. J'aurais dû prendre épée longue avec bouclier. Il n'y avait pas épée longue avec bouclier, donc j'aurais dû prendre épée courte. Parce que je suis quand même bien meilleur avec un bouclier. Ah, il a gagné. Ah, je suis trop blessé. Guerriers vont se battre à l'épée de chasseur. Ah ah. Avec un bouclier. Donc ça c'est l'épée courte. Cette épée j'en ai déjà une. Donc là je pense que c'est lui qui a choisi en fait. Bon, ce qui revient à dire que c'est l'IA qui a choisi, mais. Hop, j'ai contré à temps. Rebloque. Au bouclier, je suis bien meilleur, je pense. Hop, contact. Non, pas de contact, très bien. C'est une épée vraiment courte. Hein. J'ai juste esquivé le dernier coup. L'épée de chasseur elle fait pas très mal. Heureusement elle n'en demande pas des compétences monstrueuses. Hop là. Je savais que quand il courait il avait moins de chance de m'avoir. Ah. Oh, j'ai perdu là. Le vainqueur du deuxième duel est Olga Fryer. Ah. Déclaré vainqueur de cette manche et est
qualifié pour la manche suivante. Et pas moi. Avertir le seigneur Hans de vos prouesses au tournoi. Comment dire, j'ai perdu le premier coup. Le prochain combattant à entrer dans l'arène sera Holda Freyer, homme d'armes de la garnison du seigneur Divige de Talmberg. Échec de la quête comptage fleurette. C'était quoi? Le meunier Péchec veut bien parier avec moi. Ah d'accord. Le glorieux tournoi d'Oraté organisé. Bah j'ai perdu. Mais si, mais il en refait, c'est pas grave. Souhaitons bonne chance à nos combattants. Ah, il s'est encore rien passé là. Oh. Tiens, peste. Oh. Le rouge, il a l'air fort, hein. J'aurais dû miser sur le rouge. Et celui que j'ai affronté, le rouge. J'aurais voulu tomber sur le vert, moi. Si on tombe directement sur le vainqueur du tournoi, enfin sur un des meilleurs, bah on est malchanceux et on affronte que lui deux fois il nous bat et puis c'est fini. Et puis j'ai pas vraiment pris les bonnes armes, mais bon, ça je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Mangeons le saucisson. Hop. Et l'agneau. Aha. Partez pas si loin, je veux vous voir, moi. En vrai, de l'extérieur, le terrain a l'air grand, mais quand on est dedans, c'est petit, on fait vite le tour. C'est sympa de leur avoir mis les couleurs de la ville d'où ils viennent. Voilà, je pense que j'aurais rien pu faire de mieux, hein, franchement. Je sais pas si c'était mes qualités de défense et d'attaque. Oula, ça pique. On va regarder le combat jusqu'à la fin. Ouais, c'est Bendesh de Varman, le vert. Oups là, désolé pour le pshh dans le micro. Ouais, on m'entend plus fort que les oh ah, sinon c'est un peu embêtant. Oh. Oh, le rouge il prend cher là. Il y en a qui sont habillés en vert et en rouge. Ça doit être des soldats de la même ville. Enfin, des villes, des concurrents. Il n'échappera pas. Aïe, aïe, ah. Bon, il se tue pas, mais c'est pas de la rigolade, hein. D'ailleurs, l'autre, il m'a fait bien mal. Il m'a même fait saigner. Ils sont sympas de m'avoir soigné comme ça. J'avais pas l'autorisation de taper mon adversaire lorsqu'il était vaincu, lorsqu'il lâche les armes. Mais il a jamais été vaincu, donc j'ai pas pu prendre le risque de le taper par erreur. Parce qu'il m'a formellement interdit de taper un combattant. Le héros m'a formellement interdit de taper un combattant qui s'était rendu. Pour éviter de le tuer, justement. Ah, il y en a un qui a perdu.
Montrez-moi ce que vous dissimulez. Dames et seigneurs, mesdames et messieurs, vous venez d'assister au dernier duel du tournoi de raté du jour pour lequel nous devons... Je ne dissimule rien. Qui m'ont été donnés. Bah, très bien, mais j'ai déjà tout mis dans mon sac. Venez donc. Tout est en ordre. Faites bien attention à vous. Applaudissons-le bien fort pour l'honneur dont il s'est couvert et dont il a couvert son suzerain. On peut pas payer le héros pour gagner. Je voudrais prendre part au grand tournoi. Qu'est-ce qu'il va me dire? Vous allez devoir attendre... Ah, c'est fini? Là, il était en train d'annoncer le vainqueur? Ou il va y avoir un autre match? Bon, tant pis. J'ai plus qu'à annoncer mes piètres résultats au seigneur Hans Capon. Vu que c'est lui qui est censé m'avoir instruit. Il risque de faire une blague du genre « Oh mais on partait depuis tellement bas que tenir aussi longtemps durant les deux premiers matchs, même si vous les avez perdus, c'était grâce à moi. » Où est-ce qu'il dort, Hans ? Je suis pas sûr d'être au bon château. Secondaire. Champion de Rotskap. Il est à la taverne. Allons-y. Allons-y. C'est là? Non, c'est là-bas. Et on s'arrêtera là pour cet épisode. Désolé, Hans, j'ai été mauvais. Ça arrive d'ici un instant. Seigneur Hans, je me suis battu du mieux que j'ai pu. Mais ça ne s'est pas déroulé comme vous l'espériez. Je sais, je sais. Je dois avouer que j'ai sous-estimé vos adversaires. Les seigneurs voulaient certainement faire bon effet. Alors ils ont envoyé leurs meilleurs hommes. Mais vous vous êtes battu avec talent et courage. Mon oncle a été satisfait par ma... Enfin, votre performance. Tout est donc réglé. En quelque sorte. Je lui ai dit que j'allais poursuivre votre entraînement. Avec un peu d'effort, je suis certain qu'on pourra faire de vous un véritable guerrier, le meilleur de toute cette province. Parfait. Ah oui. Retentez votre chance un de ces jours. Vous finirez par être victorieux. Alors, je chanterai vos louanges à des lieux alentours. Faut que je recommence et que je gagne. Non, il m'a payé 100... Bon, à la prochaine. Il m'a payé 100 ducats. 100 gros chaînes, c'est sympa. Il m'avait déjà payé les frais d'inscription.